Jeanne Bittker, je suis aujourd'hui directrice marketing pour la France chez Deezer. On voulait offrir toute la musique gratuitement sur Internet. Aujourd'hui, avec l'amélioration des usages et notamment l'usage en mobilité de la musique, notre objectif est de convaincre les gens de payer 9,99€ par mois pour emporter leur musique, c'est-à-dire tout Deezer, sur leur mobile, leur tablette, le retrouver sur leur télé, etc. Pour nous, la mobilité, le mobile, c'est le cœur de notre offre payante. Alors, au premier téléchargement, j'ai en fait 15 jours où on m'offre l'offre complète. Et au bout de ces 15 jours, ensuite, je suis limitée à 30 secondes par titre. Pour des raisons notamment techniques de protection des droits et de complexité de la technologie qu'on utilise, nous ne travaillons que sur une version applicative. On apparaît quand même dans les classements des médiamétries des sites mobiles, c'est-à-dire qu'on est le 16e site le plus visité sur le mobile, alors même que derrière l'URL deezer.com sur le mobile, ben, il n'y a pas grand-chose sauf un renvoi vers l'application. Et aujourd'hui, on est la 12e application la plus téléchargée en France. Alors pour nous, la 4G, c'est sûr que ça va faciliter les usages. Deezer, quand je suis connectée en 3G ou en 4G, je stream, donc le stream sera encore plus rapide et le preload du titre sera beaucoup plus rapide. Quand je suis abonné, tout l'intérêt de l'offre, c'est de pouvoir télécharger, c'est-à-dire passer en mode offline les titres. Et bien entendu, la 4G va permettre d'accélérer aussi ce processus de téléchargement des titres dans mon mobile. Dans la mesure où l'offre gratuite est extrêmement limitée, puisque c'est 30 secondes par titre, aujourd'hui, on considère que ça suffit, entre guillemets, comme frustration pour nos utilisateurs sur le mobile. Après, bien sûr, on réfléchit à d'autres modèles. Si demain, on ouvre un espace gratuit, on essaiera de monétiser l'audience gratuite, évidemment.